As you know, you prepare a GBA thesis not only for this, I suppose. You prepare your GBA thesis mainly for impact purpose. And that's why Professor Jean-Pierre Elfer is here. Yes, thanks, Michel. So, it's my pleasure to say that finally, if we are here, we have a specific part in this room with students, oh, very sorry, with doctors. And we have another part in the room with professors. No, a DBA without students is not a DBA. It's only a community of professors just happy to be together in the center of the world. A DBA without professors is not a DBA. And it's really my pleasure, really, really. It's my pleasure to thank everybody. Usually we don't meet all together many times. We have a lot of opportunities to meet because we are in the same doctoral school. We meet together because we are in the same other programs in East Africa. We meet together because we are writing a lot of books together. We have a lot of meetings because we are on the same program, because we are on the same TV channels or TV shows. We can be together if you invite me to be to align in the next semester. We are exactly in the same program with Chinese students, Françoise, and we organize a lot of meetings, a lot of social events too. So, but today, it's really, you know, you. I will speak to you in some minutes, but just with my colleagues. So really. So happy and so proud to be all together. And we know that we are in a community. I like my job. I really like my job. And it's a very long time because I have a long experience. But the job is really connected to the community of colleagues. And you are certainly the best of my colleagues to be here in Vils for just a small part of the week. So, students, a DBA, you know that your DBA, BSI. Doctors, very sorry. Since you know, because we are so close together that if I mistake, my colleagues can tell me something. Doctors, you know that when you decided to join BSI DBA, at that time you knew that managerial impact was really something absolutely important. It's true perhaps for all DBS programs, but it's especially true for BSI. And now it's time for you to present the managerial impact of your thesis. You have perhaps you are 9 doctors, it's 3:25, and we have enough time because the CEO of the breweries were not here. But suddenly you have 1 minute per doctor to explain the managerial impacts of your day. I know that you prepare a lot of slides, but finally, the breaking news is you have only one slide, and you can comment only 1 or 2 managerial impacts, because we have your thesis and we can read your thesis. But I'm sure you will stay in this specific planning to present your managerial impacts. I don't know. Are we starting by alphabetical order of the doctors, or it depends? It has been decided by the software. By the software. It's a random choice. It's an automatic decision. I think also that we mix all the slides of all the students because they send us too many. So you understand that finally nobody is perfect, BSI 2. And the first one is
Dr. Ngelsan, please. Thank you very much. I will speak in French because I prefer this language. Mes travaux ont concerné en fait les projets financés par la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Un constat, c'est que ces projets n'atteignent pas leur but. Et mes travaux ont consisté à m'appuyer sur une expérience antérieure dans laquelle, en tant que manager, sans avoir encore changé de statut, en tant que manager et de façon intuitive, nous avons expérimenté une solution. Donc face au fait que les projets n'atteignent pas leur but, nous sommes partis éviter cette expérience. Ce que nous avons pu obtenir pour impacter la gestion des projets et améliorer les résultats, c'est 5 déterminants. Le premier déterminant, c'est de financer par rétribution les frais de structure. Ça consiste à financer les frais de structure, donc les frais fixes de fonctionnement des projets à partir des activités réellement réalisées pour les bénéficiaires. Premier élément. Ce qu'on a également eu comme élément important pour le projet, c'est qu'il ne fallait pas, dans le contexte de la Côte d'Ivoire, voir tout uniquement pour les bénéficiaires. Il fallait tenir compte également des intérêts des équipes projet. Le troisième élément, c'est que les équipes améliorent leur implication, donc leurs résultats, lorsqu'elles sont accompagnées. Le quatrième élément, c'est que dans notre pays, il est important lorsque nous sommes réunis et que nous validons officiellement les données, ça implique un peu plus les équipes, donc ça améliore les résultats. Et le cinquième élément, c'est que lorsque on a du personnel qui aime le métier qui est pratiqué et qui également sont attachés à l'organisation, ils améliorent les résultats. Parfait. D'après vous, est-ce que ces recommandations ne valent que pour la Côte d'Ivoire ou pour toute la sous-région ? À notre avis, ça vaut pour toute la sous-région parce que les projets financés par, enfin, dirigés par le bureau de la Côte d'Ivoire concernent le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, Ghana ? Non, pas le Ghana. La Guinée. La Côte d'Ivoire, d'abord. Le Togo, le Burkina Faso, le Bénin et le Mali. Voilà. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Très bien. Et vient ensuite monsieur Koné, qui va nous présenter les impacts managériaux de son travail. Ah, we move to French, but if it's your French and English, we can move to English back. Yes, I prefer the French. Okay. Because you know that you are also Francophone zone, you have to meet an equilibrium between English and French. So I decided to do it in French. So thank you very much. My thesis. My thesis est essentiellement basée sur concept, le phénomène de l'exclusion financière, qui est un phénomène qui a été étudié de longue année. Les premières sources d'études sont basées, remontent depuis Adam Smith. Et dernièrement, le G20 a pris en main ce phénomène en définissant un modèle de stratégie d'inclusion financière. Et ce modèle d'inclusion financière appliqué dans les pays africains, on pense tous échouer. Et cette intention d'application en conception ont un risque potentiel d'échec. Cela, pourquoi ? Parce que le mode de diagnostic étant biaisé, le diagnostic de l'exclusion financière étant orienté uniquement sur des données quantitatives. Alors que nous recommandons de partir sur un diagnostic basé sur la méthode colimétrique, qui épouse l'épistémologie de recherche et intervention, qui recommande d'aller sur le terrain, rencontrer effectivement les personnes exclues, qu'on appelle les groupes sociaux, et auprès d'eux,
déterminer ou bien faire l'évaluation des événements pour lesquels ils sont inscrits. En première idée, aller sur le terrain. Aller sur le terrain, rencontrer les groupes sociaux, faire ce qu'on appelle l'inventaire des événements pour lesquels ils subissent l'exclusion financière, et ensuite, avec eux, relever les solutions. Ça, c'est la méthode, ça, c'est l'épistémologie de recherche-intervention. Et en plus de cela, nous avons appliqué ce qu'on appelle la recherche colimétrique, qui permet aussi, toute l'évaluation des incidences qualitatives, faut aussi l'évaluation financière de l'exclusion. Il faut montrer que la méthode calimétrique montre que c'est environ 40 à 50, en 50 et 100% des PIB de ces États qui sont du continent des manques à gagner. Alors, les recommandations pour que ces projets s'opèrent dans les meilleures conditions. Donc, les recommandations, c'est que nous avons mis en place un sous-bassement de stratégie d'inclusion financière. Et ce sous-bassement est basé sur le triade que nous avons découvert. Première idée. Le triade d'inclusion financière. Et ce triade, essentiellement, Deuxième idée, il pousse le mode d'écosystème. Et à partir de ce triade, il faut mettre en place le diagnostic basé sur la méthode colimétrique que nous avons évoquée et faire ressortir effectivement les impacts quantitatifs, qualitatifs et financiers. Et ensuite, mettre en place les conditions nécessaires et suffisantes de ce triade. Et à partir de ce moment-là, aller à un impact sur les groupes sociaux. Et cet impact-là, c'est que plusieurs planteurs, plusieurs PME identifiées comme exclues deviennent financièrement inclus. Est-ce que vous avez déjà vu les résultats de vos recommandations dans le pays? Oui, effectivement, nous avons abouti à ce qu'on appelle un théorie. Avant d'aboutir à la théorie, nous avons fait des tests de terrain au Malawi et en Côte d'Ivoire. Au Malawi, nous avons testé le premier écosystème qu'on a nommé BAR, en fait, bourse agricole avec des restrictions d'entreposage, qui permet en une année ou en 5 ans à des millions de planteurs d'être financièrement inclus. Aussi, l'écosystème BGE est basé essentiellement sur les véhicules de collecte collectif d'épargne, permettent effectivement de financer des PME en masse. Perfect. Your subject is really, really, really so important subject, inclusion financière. It's absolutely excellent in your country. Thank you very much. Then, we are waiting for, the third one is Dr. Kowalski. Dr. Kowalski, I have been involved in your thesis. Please, the managerial impacts of your thesis, in French or in English, it's up to you. Yes, probably in French because it's easier at this time of the day. Donc, mon sujet portait sur comment étudier, comment un événement grand public peut déclencher du bouche à oreille. Donc, si on peut passer le prochain slide, s'il vous plaît. L'enjeu, c'était de se rendre compte que... Ah, c'est ça, d'accord. Oui. Il y a des slides qui ont disparu au passage. Donc en fait, globalement, on sait que le bouche-à-oreille a un effet bénéfique sur les ventes, sur l'image de marque, sur la fidélisation, mais il y avait peu de travaux qui ont été étudiés, les facteurs déclencheurs du bouche-à-oreille. Et donc je me suis intéressé spécifiquement dans le cas d'événements de lancement film, c'est-à-dire pour une catégorie de produits pour lesquels il y a peu de connaissances. On sait que quand il y a peu de connaissances d'une catégorie de produits, les proches ont un rôle important dans les décisions d'achat. Donc je me suis intéressé au cas de lancement de film et pour voir comment un événement grand public pouvait générer du bouche-à-oreille et donc par la suite, bien sûr, déclencher, augmenter les ventes du film. Et donc vos recommandations sont... Voilà, et mes recommandations sont... alors certaines recommandations avaient déjà été bien balisées dans la littérature, mais on les a retrouvées au travers de cette thèse, hein, qui sont... du première chose, s'intégrer bien sûr dans un plan de communication global. Grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, il est important d'avoir une caisse de résonance, donc l'événement lui-même est insuffisant. C'est pas parce que vous faites un événement que vous allez avoir des ventes, c'est parce que derrière vous avez développé tout un suivi en termes de communication. Et bien sûr, ça veut dire que vous allez aussi aider à ce que les gens puissent communiquer sur les réseaux sociaux. Ça, ce sont des choses un peu simples.
D'autres choses un peu simples mais importantes, c'est qu'il faut qu'il y ait un fit. je vous les donne pas dans l'ordre, hein, vous allez retrouver. Comme je ne savais pas ce que Michel allait laisser, hein, autant que je le fasse de vive voix. Autre chose importante, c'est la notion de fit, c'est-à-dire quand bien sûr vous faites un événement, il faut qu'il y ait une cohérence, comme aujourd'hui. Hein. Nous sommes en harmonie totale avec ce lieu, ce château, et nous sommes, mettons des photos que nous allons publier sur Facebook. Nous allons faire la promotion de ce programme que nous trouvons tous exceptionnel. Donc cette notion de fit est importante. Des choses qui avaient peu été étudiées dans la littérature, ça porte plus sur... les gens parlent parce que ce qui se produit dépasse leurs attentes. Ce qui était assez intéressant, c'est que il faut qu'il y ait un certain niveau de dépassement des attentes. Si ça dépasse légèrement les attentes des consommateurs, les gens ne font rien, ne disent rien. Par contre, il faut qu'il y ait un gap important. Donc, c'est ce qu'on appelle la bonne surprise, qui avait été peu étudiée. Donc, c'est important de générer de la bonne surprise auprès des consommateurs. Et ce qui était un peu nouveau, probablement, c'est qu'on s'est rendu compte, en interviewant des experts, que choquer... fait parler, c'est-à-dire que si vous choquez les gens par rapport dans une logique de débat, c'est-à-dire si vous apportez un sujet qui amène à débattre, alors est-ce que je pourrais trouver quelque chose aujourd'hui? Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui une partie des professeurs ne soit pas habillée de la même manière? Voilà, c'est un sujet qui peut porter à débat. Alors certains vont dire oui, certains vont dire non, mais en fait on se rend compte que quand il y a une dispersion des avis, c'est-à-dire que c'est pas si tout le monde dit non, ça va pas. Parce que si tout le monde dit non, s'il y a que du bouche à oreille négatif, ça va pas. Par contre, si vous avez une dispersion des avis, si vous avez un débat, ce que vous allez créer, c'est du volume de bouche à oreille, du volume et de la dispersion. Et quand on a du volume et de la dispersion, eh bien, ça a un effet positif sur les ventes. Et donc, c'est ce qu'on essaye de conseiller aux entreprises. Merci à vous. Est-ce que... Vous avez droit à une relance, comme on dit à la télévision. La relance, c'est de savoir si vous avez pris un exemple ici en disant que ça pourrait créer débat de ne pas avoir tous les mêmes couleurs dans nos toges. Est-ce que vous voyez dans votre communauté de docteurs aujourd'hui, est-ce que vous voyez un élément de débat qui pourrait être lancé? Des éléments de débat, c'est pour avoir un débat sur la durée, on pourrait dire combien de temps il faut être acceptable pour faire un DBA. Et donc c'est un sujet qui pourrait être amené à débat. Et à ce moment-là, les gens commencent à en parler, on est d'accord, pas d'accord, et ça crée du volume et de la discussion. Il ne faut pas que la vie soit tranchée. Hein, c'est-à-dire, il ne faut pas que la... Et à votre avis, à partir de... Mais ça ne sera pas tranché, je vois que vous avez en fait parlé pour tous ceux qui ont reçu le certificat tout à l'heure, et qui se demandent s'ils vont être ici en 2020, 22, 26 ou 28. Et on leur souhaite un grand plaisir. Merci et bravo pour votre travail. The next one is Kouyaté. Amaran. You have some minutes to explain in French or in English your manager, the managerial impacts of your thesis. En fait, notre travail est parti à la base du constat, d'un retour de satisfaction par rapport aux pratiques de gestion des ressources humaines que nous avons mises en place dans notre institution. Donc, c'est pour ça que nous avons retenu ce thème, pratiques de gestion des ressources humaines et performance sociale dans les organisations internationales, cadre de la Banque Ouest Africaine de Développement. Alors, je vais aller directement aux recommandations, en expliquant pourquoi nous faisons ces recommandations. La première recommandation, c'est actionner et renforcer les leviers de la satisfaction. Pourquoi? Parce que, généralement, en tant que manager, je suis le DRH de l'institution. L'un des problèmes, lorsque nous voulons mettre en place des programmes de motivation, de satisfaction, c'est de savoir sur quel levier il faut jouer. Eh bien, cette thèse nous a permis de savoir que la satisfaction dans notre institution dépend de la gestion des carrières, de l'évaluation du personnel, de la formation et des avantages sociaux. Nous sommes également dans une institution internationale où il y a 8 nationalités, avec des pressions politiques, etc.
Nous recommandons que la gestion de la diversité se fasse sur la base de la compétence, que ce soit au niveau du recrutement, de la motivation et également des nominations. Également, nous sommes des managers, nous avons besoin de retours pour prendre des actions et afin d'améliorer nos pratiques. Raison pour laquelle nous proposons de mettre en place un baromètre social pour mesurer les actions que nous posons. Donc voici un peu la quintessence des recommandations. Nous avons fait des recommandations également pour les organisations internationales, mais comme il fallait aller droit à l'essentiel. Donc ce sont, comme vous êtes DRH de la banque, c'est ça. Ça veut dire que vous faites des recommandations à vous-même. Parmi celles-là, lesquelles n'avez-vous pas encore mises en place? Alors, c'est le baromètre social. Voilà. Le baromètre social. Nous avons fait une première enquête il y a 2008. Et la deuxième enquête a été faite à l'occasion de cette thèse, donc 10 ans après. Donc vous pouvez comprendre ce qui s'est passé entre ces deux périodes. Donc nous voulons avoir un baromètre pour mesurer régulièrement les impacts de nos actions et prendre des mesures. Votre directeur de recherche, le professeur De Félix, et quelques autres dans cette salle sont de très bons consultants pour la mise en place d'un baromètre. Nous sommes consultants. Je vous conseille de vous adresser à eux. D'accord. Et nous attendons. Le professeur Kalika sait aussi mettre en place des baromètres. Maintenant, la prochaine diapositive va arriver. Bien. Donc, nous attendons donc la personne qui était dirigée par le professeur Benghazi. Bonjour, Yves, de Dieu l'Éternel. Donc mon projet de thèse a apporté une tréquel outil pour identifier les capacités et compétences clés des entreprises manufacturières 4.0 de demain. L'industrie 4.0, je suis ravi aujourd'hui d'en dire quelques mots parce que dans l'éditoire, je vois qu'il y a des Allemands. Hein, donc ce concept vient de votre beau pays, l'Allemagne, hein, qui a mené ce concept très pertinent. En France, on parle plutôt d'industrie du futur. En Australie, dans les pays anglo-saxons, c'est encore une nouvelle appellation. Bon, c'est simplement pour dire que on est en pleine transformation. Certaines parlent justement, annoncent une quatrième révolution industrielle. Alors justement, je ne sais pas trop quels slides ont été conservés derrière. Juste la dernière, donc ça ne va pas être facile. Alors je vais faire simple. Pour moi, comme j'accompagne justement les entreprises, surtout les PME, dans leur transformation numérique industrielle, je me suis posé les questions, et notamment lorsque je suis avec les chefs d'entreprise, comment essayer de prendre en compte tous les critères, tous les concepts qui sont mis en avant. Vous savez que justement, lorsqu'on était plutôt, on parlait dans la première et la deuxième révolution industrielle, on parlait plutôt de production de masse. Puis après, avec la troisième révolution industrielle, on est venu à parler du juste à temps de l'impayé nous dans nos métiers d'impression à la demande. Et aujourd'hui, la quatrième révolution industrielle rend réel ce qu'on appelle la personnalisation de masse. Alors qu'est-ce que la personnalisation de masse? C'est que vous et moi, de plus en plus, maintenant, dans les produits que nous commandons, on désire vraiment recevoir un produit personnalisé, voire individualisé. Alors comment, maintenant la question est, comment obtenir ce produit personnalisé, individualisé? Et je vois, par exemple, justement, le Business Science Institute imprime de plus en plus, et, que ce soit sur papier, sur support. C'est peut-être un peu le manque de personnalisation, mais on peut des cartes de visite. Et je sais que vous, de votre côté également, vous commandez vraiment des différents types de produits personnalisés sur tous types de supports. Alors, qu'est-ce que justement, comment y arrive-t-on? La personnalisation de masse, c'est de se dire, allez, on va à la fois, pour un chef d'entreprise, entreprendre une stratégie de domination par les coûts et en même temps de différenciation. Parce que Porter, à l'époque, justement, disait, mais ça, le risque... Stop in dominant. Stop, on peut aller vers les recommandations. Alors, ma recommandation, c'est justement, ça a été d'essayer de concevoir un modèle qui permet justement de faire en sorte de pouvoir y répondre. Alors, ma recommandation, c'était de se dire, après une consultation importante,
c'est que les business, le supply chain maintenant, les entreprises sont plus en concurrence entre elles, les supply chains sont en concurrence entre elles, et la digitalisation de toute la chaîne de processus de production devient importante. Donc j'ai créé justement, j'ai proposé un modèle à partir du tableau de bord de Kaplan. Pourquoi j'ai modifié ce modèle? C'est simplement que ce tableau de bord de Kaplan aujourd'hui est plus centré sur l'entreprise, les processus internes, alors qu'il fallait prendre justement toute la partie écosystème. Mes recommandations, c'est de dire, avec le modèle que j'ai essayé de proposer, c'est d'aider justement ces chefs d'entreprise à prendre les sujets les uns après les autres, notamment e-business, les questions de supply chain, après les questions du numérique, de pouvoir de faire part à ces entreprises, que maintenant l'entreprise isolée, ça devient de plus en plus difficile, qu'elle a tout intérêt justement à être connectée, et surtout à se dire, eh bien, dans quel écosystème je me retrouve, hein. Justement, lorsqu'on parle de personnalisation de masse, on s'aperçoit que ce sont plutôt des petites entreprises qui sont connectées les unes avec les autres et qui permettent justement, dans cette spécialisation, d'offrir avec en conjuguant justement les compétences de chacune d'elles, les produits individualisés que vous pouvez recevoir. Très bien. Est-ce que vous avez, sur cet enchaînement, est-ce que vous êtes aujourd'hui plutôt optimiste ou plutôt pessimiste? Je suis optimiste, hein, sinon j'arrive pas justement, c'est dans ce cas du DBA où j'essaye d'apporter ma petite pierre et en apportant ce modèle, cette approche, on pourra faire en sorte que nos entreprises et que les entreprises, notamment en Europe, puissent justement se démarquer et être dans la compétition. Eh bien, les entreprises attendent avec anxiété votre nouveau modèle pour vous embaucher. Un matin, je me réveille, je vais pour prendre ma douche, j'ouvre mon robinet, aucune goutte d'eau ne coulait. Mesdames, Messieurs, cet exemple est révélateur des conditions de vie des populations dans les pays en voie de développement. Cette situation pourrait s'expliquer par les conditions d'exploitation des infrastructures existantes et par le manque crucial d'infrastructures. Plusieurs solutions ont été préconisées pour faire face à ces situations. Parmi ces solutions, nous avons le vocable partenariat public-privé, une association entre le public et le privé pour réaliser, financer, exploiter des infrastructures. Dans ces conditions, nous nous sommes intéressés à cette question en définissant notre problématique comme suit. Dans quelle mesure un projet, la structure financière peut-elle impacter positivement la performance d'un projet de partenariat public-privé? Les résultats de la recherche ne nous permettent pas d'établir une relation entre la structure du financement et la performance globale. Toutefois, cette performance est justifiée par des conditions d'exploitation des facteurs culturels. Eu égard à ce qui précède, nous avons recommandé la conduite d'études socio-économiques critiques et indépendantes des projets déjà réalisés en partenariat public-privé afin de comprendre, d'étudier les facteurs déterminants de la performance. Une fois ces facteurs connus, nous estimons que des stratégies pourraient être développées pour éclairer les décideurs politiques, pour éclairer les chefs d'entreprise. Nous vous remercions. Merci. C'est un bonheur pour nous tous de savoir que quand nous oserons de l'eau en allant de votre pays, nous remercierons les partenariats publics-privés. Est-ce que les PPP peuvent fonctionner pour bien d'autres secteurs que l'eau? Oui, nous pensons que nous disons que les PPP peuvent fonctionner pour l'eau, pour l'énergie, les transports. Et d'ailleurs, dans notre étude, nous avons demandé d'approfondir justement l'analyse sectorielle pour voir en fait les secteurs les plus propices. Mais pour le moment, c'est surtout dans le secteur de l'énergie, des transports, que nous avons beaucoup de PPP. Merci.
Merci beaucoup. Merci pour ces précisions. Monsieur El Kaïma vient sur la présentation d'un modèle innovant. À vous. Bonjour tout le monde. En tant que promoteur immobilier, c'est au Maroc, je me suis rendu compte que je travaille 10 heures par jour, 5 heures pour la banque, 3 heures pour l'administration fiscale, 1 heure ou 2 heures pour soi-même. Donc l'idée c'était, comme nous avons vu ici une coopérative immobilière qui produit un service solidaire immobilier à moindre coût, pourquoi pas réfléchir à un produit financier solidaire à moindre coût. C'est la banque coopérative participative, un business model innovant de l'après-crise qui combine les avantages de la banque coopérative et de la banque participative qui existe sur le marché. Voilà, pour cette recherche, j'ai fait le tour de 3 continents, entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie, pour la collecte des données, etc. Pour recommandations managériales, bon, ça fait quelques mois, j'étais avec le vice-président du Gabon et le ministre de l'économie, qui m'a recommandé, après avoir dit, hein, j'ai dit, vu les taux de 15% bancaires, je ne peux pas investir dans ce billet parce que un taux de sur 10 ans, ça va être 150%, c'est pas possible. Il m'a dit qu'il y a votre recommandation. Aujourd'hui, je peux dire qu'il y a une recommandation, réfléchir et profiter des travaux d'Ilina Bostrom, prix Nobel 2009, pour la création d'une structure coopérative de l'économie sociale solidaire et pourquoi pas dans le secteur bancaire. C'est la banque coopérative bancaire qui respecte l'éthique et les principes d'une communauté, aussi qui respectent leur poche avec des facteurs économiques et surtout qui les accueillent avec et accueillent les clients avec un sourire, avec une variété de produits. Est-ce que dans votre pays, les structures coopératives pourraient s'étendre avec efficacité à d'autres secteurs que la banque? Je suis dans le secteur immobilier, oui, immobilier. Et j'ai pu produire un produit à 50% plus réduit sur le marché. J'ai démarré avec une petite structure en tant que président d'une coopérative immobilière au Maroc. Maintenant, nous gérons 250 millions d'euros et nous avons fait des travaux. La question, c'est au-delà, en dehors de l'immobilier. Le secteur de l'immobilier, j'ai de l'expérience. On peut en parler. Dans d'autres secteurs, bon, j'étudie le cas de la banque. Donc, est-ce que dans d'autres secteurs, vous pensez qu'au Maroc, pour la production d'huile, la production de phosphate, la production de nagrumes, une voie qui dit que entre l'économie sociale solidaire, c'est la troisième voie entre le capitalisme et le socialisme, il y a une troisième voie qui peut être l'action collective. L'action collective, la coopérative au centre du monde, comme ville se l'est du point de vue géographique. Merci et bravo. Vous allez parler de nous et de vous, donc nous vous entendons. Exactly. I think we all knew how fairly obsessed Professor Kalicka is with time management, but I think he found a master in you and live work. Okay, I was investigating the fundamental motivational drivers of managers, you and I, and myself, engaging into professional doctoral studies and investigating as well the facilitators and barriers which how could I say, influence our motivation as well. Well, if we can directly go to the next slide, I try to keep the minute presentation. I think the main contribution of that, if we can go there, is the main finding is what is at the bottom, actually, of our engagement into professional doctoral studies is the seek or the quest for self-fulfillment. Well, self-fulfillment can be whether professional or it can be personal. Professional, for example, what is in the bottom of it is, for example, career development or achieving legitimacy at the workplace. On the personal side, it can be intrinsic, so very much linked to yourself. That refers mainly to the satisfaction of intellectual pleasure, for example, of your wish to take up a challenge of an academic nature.
and can of course be extrinsic, meaning that that is linked as well to social recognition a doctoral process and a doctoral degree brings, and of course the wish, very important within a DBA, of transmitting knowledge, which is in the core of it. So another finding of course is that there is not one exclusive motivational driver. They are multiple, and so it's a mix. But I found as well in a typology that of course that there are certain majors of motivational drivers. And the last word maybe to say as well, that was quite a surprise to discover that even though a same number of persons is concerned by professional and personal self-fulfillment, but when it comes to the intensity, what is at the bottom is rather the personal self-fulfillment in the doctoral process. So for the recommendation, they are twofold actually. They are recommendations for doctoral students. They aim at, first of all, of course, making the right choice. So that refers to confirming the choice of professional doctoral studies. If the appropriate degree in your case, the MBA might well be an option, so choosing doctoral studies as such. Recommendations on choosing the adequate doctoral education provider, because it's very important. It refers to 3 years of your work, so there must be a good match between the higher education institution and your needs and constraints as well. Last but not least, completing professional doctoral studies by enhancing facilities and reducing barriers. There are certain things like the social bond. I found as well that during the period from engagement to completion as well, the thesis supervision is really at the bottom of motivation and so on. And on the side for higher education institutions, the recommendations go towards enhancing competitiveness and attractiveness. For example, at the moment of engagement and of choice as well to engage in doctoral studies, main findings are that the reputation of both the institution and the faculty members is in the center of choice. And last but not least, of course, you have been talking about that later on, it's actually about reducing the risk of dropout and maintaining students' motivation during the whole process. That goes by enhancing, as I say, the social bond, by managing the relationship, a very peculiar relationship of, thesis supervisor and students. So thank you. Your thesis is very specific because you are a part of your survey. And you can ask in the evening or during the night, you can ask some questions to you when you are faced with your mirror, and it's very interesting. What is especially surprising when you discover some specific issues, what is especially surprising for you? Well, as I said, our first guess at the beginning would have been that it's actually job enhancement and job development in a certain sense. So one of the surprises is that is a motivational driver, but never disconnected with satisfaction of curiosity, research interest as well. Also interesting to see the DBA as providing tools on the day-by-day job as well. That was a surprise how well the DBA is perceived in that area as well. And so many other things, actually. Thank you very much. Thank you. We'll have to give some advice to Business Science Institute now, I think. Now, Thierry Lamarck, please come in for your managerial recommendations after your thesis. Yeah, je suis ravi de disposer d'une minute. Ça devrait me laisser le temps de vous lire le titre de mes travaux. Donc, les travaux concernent le processus de négociation, comme vous le voyez, dans des opérations de transfert externe, c'est-à-dire de rachat d'entreprise par des repreneurs, personnes physiques, extérieures à la cible. L'idée étant de déterminer les facteurs clés de succès du repreneur. Est-ce qu'il y a une autre slide ? C'est parce que vous attendez. J'ai supprimé 10 diapositives. D'accord, bon. Alors, voilà, l'impact managérial de la thèse est résumé sur ce slide, donc. Bien sûr, compte tenu du temps imparti, nous ne passerons pas en revue tous ces sujets. J'ai regroupé les résultats, vous voyez, selon quelques thématiques. Le processus de négociation, les acteurs de la négociation, l'écosystème de la négociation, puisque mes travaux ont consisté à analyser les négociations d'une manière intégrée, d'une manière écosystémique.
les principaux protagonistes, le repreneur, le cédant, mais aussi les conseils de part et d'autre et l'entourage du repreneur et du cédant. Tout cela pour en déterminer 10 facteurs clés de succès de ces négociations à l'usage des repreneurs et de leurs conseils lors des opérations de transfert externe, avec deux conséquences particulières, à savoir des préconisations repreneuriales, donc c'est la version repreneur des préconisations managériales, et puis une analyse réflexive consistant à étudier et à analyser quels sont, à mes yeux, le résultat de ces travaux et en quoi ces travaux peuvent me faire évoluer dans ma pratique de conseil sur ces opérations. Les préconisations repreneuriales consistent à suggérer donc aux repreneurs de mener plusieurs négociations en parallèle pour minimiser les biais cognitifs et affectifs qui peuvent exister lorsqu'on étudie un seul dossier de rachat d'entreprise. Privilégier les approches coopératives qui sont beaucoup plus fructueuses, performantes que des approches conflictuelles. Il s'agit donc de gagner avec plutôt que de gagner contre. Ne pas sous-estimer la dimension humaine de ces négociations, parce que sur les opérations que j'étudie, qui sont des opérations de taille modeste, on est beaucoup plus sur l'affect que l'effect. S'entourer des meilleures compétences dans une approche causale. Et donc je suggère aux repreneurs de s'entourer des meilleurs conseils en termes d'experts comptables ou d'avocats et de conseillers acheteurs. Et enfin, je suggère aux repreneurs et à ses conseils de tester le projet de reprise d'entreprise, c'est-à-dire d'expérimenter son projet sur des cibles moins importantes que d'autres, avant véritablement de s'intéresser à des cibles primordiales et de bâtir quelque part une courbe d'expérience repreneuriale sur ces types de projets. Voilà en quelques mots. Merci. Imaginons que vous soyez aujourd'hui en face d'un repreneur, par exemple le président de BSI. D'accord. Et le président de BSI, avec une montagne de cash dans sa poche, imagine qu'il pourrait reprendre une autre institution. Quel conseil lui donneriez-vous ? Bon, le premier conseil, ça serait... Je lui conseillerais d'appliquer ces quelques préconisations en toute humilité, parce que je pense qu'effectivement sur ces opérations on a vite fait de se fourvoyer, on est parfois victime de mauvais conseils. Ce sont typiquement des opérations où l'intermédiation est importante. Je parle dans ma thèse d'un contre-modèle à l'ubérisation. Je pense que ces opérations doivent être intermédiées, ne serait-ce que parce que les intermédiaires jouent un rôle d'interfaçage entre le repreneur et le cédant. Et donc, je lui conseillerais d'être bien accompagné sur son projet. Monsieur Lamarque, merci. Merci beaucoup. Pardon, French, on a parlé en anglais. Nous avons pensé au sein de BSI que la transmission des impacts managériaux de vos thèses était suffisamment importante, cette transmission, qu'il convenait de saluer celui qui, aux yeux des jurys, aux yeux des rapports qui ont été remis, aux yeux des soutenances qui ont été effectuées, de remettre un prix, le prix des meilleurs impacts managériaux pour le travail, pour cette promotion du DBA de BSI ici à Vitz. La tâche n'a pas été simple, parce que l'idée d'avoir des objectifs managériaux sur votre travail a été au cœur de ce que l'on vous a demandé. Et en définitive, à partir du moment où nous avons un prix à remettre, nous avons été conduits à repérer
une thèse, repérer un modèle, repérer un format, repérer une idée, et le conseil académique, au vu des rapports, a décidé de remettre ce premier prix du Managerial Impact